Les 5 marques de textiles à éviter d'acheter. Les produits chimiques polluants dans les textiles. Cela fait plus de deux décennies que des associations non gouvernementales sonnent l'alarme sur la multiplicité et l'abondance des produits chimiques polluants des textiles. Plusieurs marques d'habillement ont été montrées du doigt pour oser utiliser des produits cancérigènes ainsi que des produits chimiques reconnus comme étant des perturbateurs endocriniens impactant sur les fonctions reproductives. D'autres produits chimiques des tissus de marque se sont révélés capables de provoquer quelques allergies de la peau et même parfois provoquer la chute de cheveux. Jeans, sous-vêtements et t-shirts entre autres de plus de 141 marques de confection internationale, fabriquées en Chine, aux Philippines, au Vietnam et en Malaisie ont été soumis à des tests ces cinq dernières années. Il a été révélé que toutes ces marques vendaient dans le monde des vêtements dans le seuil des 1000 mg-kg de produits chimiques nocifs imposés par la législation européenne. Avait été largement dépassé. Nous allons vous citer quelques marques qu'il est nécessaire d'éviter. Mango. Parler de, de la marque Mango est nécessaire pour la simple raison que c'est une marque qui a réussi à se déployer dans les centres commerciaux les plus achalandés et qui propose des vêtements à ses bons prix, particulièrement pour les jeunes. Il se trouve que c'est une des marques où l'on a retrouvé le plus de NP, qui sont des étoxylates de noxylphénol reconnus comme étant des perturbateurs endocriniens en laboratoire. Ce produit provoque la féminisation des animaux. Les vises. La marque Levis n'est pourtant pas accessible à tous les porte-monnaies. Cependant, dans la plupart des tissus comme ceux des jeans, il a été retrouvé des produits chimiques dangereux, comme des phtalates ainsi que des métaux lourds comme le chrome. Ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que plus de 50% des produits chimiques découverts sur les tissus ne sont pas identifiables par les laboratoires d'aujourd'hui. Il faut donc croire que les industriels de cette marque redoublent d'efforts afin qu'il ne soit pas possible de les accuser à propos d'un produit dont on ne connaît pas le nom. C'est certainement la marque sur le point de vue environnement après lavage des vêtements qui est le plus à critiquer. Zara. Zara comme Mango est aussi une marque reconnue pour être bon marché. Des centaines de magasins de cette marque sont éparpillés en Europe et un peu partout dans le monde. Elle aussi a été montrée du doigt pour utiliser des tissus contenant des excédents de produits chimiques. La plupart contiennent des NP ainsi que des phtalades. La dégradation de ces produits chimiques en perturbateurs endocriniens provoque chez certaines personnes des maux de tête ainsi que des problèmes en rénaux. Sachant que c'est au lavage que ces produits sont le plus facilement dilués dans l'eau, il faut aussi admettre que la peau ne reste pas toujours sèche et qu'avec la transpiration, on peut imaginer aisément l'infiltration de ces produits chimiques via les pores de la peau. Kelvin Klein la marque Kelvin Klein comme Zara ou Levis fait elle aussi partie des marques records pour ce qui est d'utiliser des tissus à forte concentration de produits chimiques toxiques. Elle aussi utilise énormément de NP et de métaux lourds comme Levis. Sachant que c'est une marque qui a longtemps mis en avant les sous-vêtements d'hommes pour se faire connaître, il faudrait peut-être s'inquiéter sur quelques effets néfastes à l'achat répétitif des vêtements de cette marque. Greenpeace avait cité en premier cette marque comme étant celle qui utilise plus de produits chimiques dans ses usines. C.A. La marque CA qui est une marque accessible pour toute la famille fait partie elle aussi des dix premières marques utilisant des produits chimiques les plus toxiques. Entre autres les NP et les phtalates, on trouve aussi des colorants azoïques, plus souvent utilisés dans l'industrie alimentaire et qui ont souvent été cités comme étant un des principaux produits provoquant l'hyperactivité des enfants. Ils sont aussi reconnus comme étant très allergènes. C'est aussi une marque très répandue en Europe et dans le monde. Conclusion. La plupart des vêtements textiles étant faits dans des pays où l'utilisation des produits chimiques toxiques n'est pas normée, il ne faut pas se leurrer sur le fait de trouver des tissus polluants sur la plupart des grandes marques. Même si la liste est plus longue, il est nécessaire de s'arrêter sur les marques les plus connues pour utiliser des textiles nocifs. Par ordre décroissant de nocivité, il a été cité Giorgio Armani, Benetton, Diesel, Gap, HM, Tommy Hilfiger, Mark Spencer, Esprit et Jack Jones. Évidemment, il y en a d'autres. Mais cette simple liste devrait vous pousser à réfléchir un peu plus. Sachant que les laboratoires n'arrivent même plus à discerner certains produits chimiques, il est grand temps d'obliger les États à plus de rigueur envers la fabrication et l'importation de certains produits.